Salut les gens, on se retrouve sur Age of Empires 2, Definitive Edition. Nous sommes toujours sur cette fameuse troisième mission de la campagne mongole de Genghis Khan. Nous nous attaquons à la Chine et nous avons fait le plus dur qui consistait tout simplement à valider un succès, un certain succès qui me demandait empêcher les Jin, donc la faction jaune ici, d'entamer la construction de sa merveille. Et on a réussi. Alors première tentative, on a foiré. Mais on a réussi à la deuxième. Oh, ils ont fait exprès d'être 6 survivants. Pour faire 2 allers-retours, du coup. Bon, l'or, c'est bon. Ça commence à revenir. Et là, on va avoir aussi une... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de... d'habitation, on peut en faire davantage. On peut monter à 150, je crois, de population. 150, effectivement. Et quand vous avez terminé, les gars, vous allez faire ceci. On va attendre d'être vraiment un max pour... Hop, c'est bon. Pour lancer l'assaut. Là, il y a une triple porte, parce que triple muraille. Et du coup, je vais vraiment attendre d'avoir une bonne douzaine de béliers. Nickel. On va être bien, là. On va être bien, on va se mettre bien. Tiens, en attendant, bah, on va se régène, hein, du coup. Et on va vraiment avoir une énorme troupe de Mangoudai. Boostée au maximum, un Mangoudai d'élite, 80 points de vie, 12 points d'attaque, 3-2 pour la défense. Ah, 4 plus 3, je pensais qu'on pouvait monter au-delà. Apparemment, c'est pas le cas. Ici, au niveau du bois, on est tellement bien que on anticipe un petit peu pour l'or, parce que bientôt on n'en aura plus de ce côté-là. Alors vous allez à la bouffe. C'est bon, hop, allez, 15 béliers. Ah, il y a un truc que j'aurais dû faire, c'est des trébuchets, parce qu'il y a des tours qui sont incrustées dans la muraille. Donc elles vont nous embêter, ces tours. C'est bon. Oh la violence, quoi. Alors, ils vont vraiment tellement être vénères que ils vont tout péter. C'est bon, sortez tout le monde. Tac, là on se fait un groupe. Hop, et un groupe bélier. Allez, on s'énerve contre eux, il va peut-être pas besoin de trébucher alors. On va détruire les tours immédiates. Donc il y en a 3, après il y en aura d'autres, mais... ça sera plus trop un problème. Hop, on réactualise et là on va aller s'amuser. On va aller piller, quoi. Et on va trouver de l'or ailleurs. Mais pour l'instant, voilà, on avait dit bois. Allons-y pour le bois. On va le pourrir. Alors le jaune, il est un peu complètement dispatché. Le vert est plus concentré, je crois. Ah, salut les gens. Hop. Ah, bien sûr, on va perdre quelques gens, mais... il a converti un gars. Mais voilà. En gros, c'est un massacre. Par contre, je préfère... voilà. Qu'il se dispatche. Hop, on arrive là, et... quick. Ok. Et là, on va faire venir nos béliers, qui sont suffisamment excités sur la muraille. Ouais, c'est bon, on a compris, les gars. On a compris que vous aviez un pouvoir de destruction incroyable. Et voyez, même contre un bélier lourd, si on les ramène tous, hein, ils peuvent le crever en un instant, quoi. Donc ça, c'est plutôt assez jouissif.
Ils n'ont pas besoin de... Ah ouais, pas mal ça. Ils se sont fait plaisir. Et même là-dessus... Non, oh, il va m'avoir. Ouais, et ils sont vifs, hein, les moines chinois. On va s'exciter là-dessus. Ouais, on peut l'avoir. Pendant ce temps-là, on dégomme ça. Parfait, ça. Allez, combat de bélier, là. Tiens, mange ça. Parce que les notes sont plus rapides que les tiens. Bim. Bon, là, c'est le gros massacre. Hop, le tout, c'est de trouver tous les villageois maintenant. C'est ça qui va être compliqué. On va faire un gros raid, c'est ça qu'on va faire. On va faire un gros raid de telle manière à diminuer le coût. Hop, le coût de cette technologie espionnage. 52, on en a perdu quelques-uns. Bon. Hop, mais je crois que c'est une île, là. Si je me souviens bien. De toute façon, il va refaire un... Il va refaire un forum, c'est quasi certain. On a perdu 0 ici. Oh, tiens, toi. Le dernier représentant de ton espèce. On va suivre... voir par où ils arrivent. Bon, ça, c'est les verts. Donc, si on peut trouver la base des verts aussi, ce serait pas mal. Je sais pas si on peut passer là, non. Ah oui, il est sur une colline, c'est vrai. Enfin, lui, il a des hommes. Mais bon, ils sont pas extraordinairement forts. Tac, ah, ça par contre, c'est pas être redoutable. Donc on va faire gaffe. On va grimper la colline. Attention, on va se faire pilonner, j'ai l'impression, là. Tac. Ah, alors attention. Go. Nickel. Bon, on a eu quelques morts. Ah, voilà. Voilà un bel objectif. On arrive déterminé. Hop, on va se hisser là-haut. On a déjà une armée de soutien, de renfort qui est disponible. Par contre, faut pas non plus qu'on abuse parce que on aura besoin de notre or. Ouais, vous pouvez sortir, les gars. Le danger est parti, les verts. Ah, tant qu'il y aura ça, on sera en danger, nous. Allez, on bourrine là-dessus. Ça ici. Alors, c'est le jeter dans la gueule du loup et c'était peut-être un peu trop présomptueux de ma part que de venir là. Ok, nickel. C'est parti. Vous ici. On se farcit le reste. Je sais pas s'il y avait des moines. Je crois pas que le milieu ait des moines. Voilà. Laisse donc mes béliers tranquilles, parce que maintenant, c'est vrai que j'en ai beaucoup moins. 12, ouais, on a perdu du monde. Ah non, certainement pas. Quand on a vaincu le jaune lors du dernier épisode, il n'avait pas tout perdu en termes de villageois, je crois. Donc c'est possible aussi qu'on juste on frappe fort et vite suffisamment pour pouvoir
Hop là. Pouvoir provoquer sa fin. Bah voilà. Là, il devait lui rester encore quelques gars, mais il n'a pas eu le courage de poursuivre. Et le rouge a dû, par contre, lui, refaire sa vie. Combien? Non, il faut qu'on descende là, genre 3000 pour y arriver. Allez, on va poursuivre par là, par le sud. Et une autre armée qui est passée par le nord. Ah, d'accord, ok. C'est toi qui veux passer par... Il a dû s'installer au nord. Il n'y a plus que 10. Non, il y a 10 aussi. Je sais plus si on peut passer. Normalement, on doit pouvoir passer et le Sian est juste de l'autre côté. Sérieux? On va faire le tour par là. Ok, vous allez vous rassembler ici. Ah non. Ok, ils avaient raison. Bon, et vous les gars? Petit groupe. On s'infiltre et on ravage. J'ai pas tenté de mettre des... Oh tiens, c'est mignon. J'ai pas tenté de mettre de l'infanterie dans les béliers mongols, mais ça doit aller super vite avec de l'infanterie à l'intérieur. Bon allez, on va provoquer la fin du rouge, parce que ça commence à bien faire. On a vu qu'il avait fait quelques autres arbalétriers. Ouh. C'est bon. Priorité, ici. Voilà. Eh, il a fait du monde, hein. Eh, il n'ose pas rentrer à l'intérieur, j'ai l'impression. Bon, on laisse ça comme ça. Bélier. Forum. Groupe 1. Ah bah tiens, on va se rassembler comme ça. Et là, 33 et 28, voilà, on va perdre un mec, et ça va être bon. C'est bon ? Hop, premier groupe. Mince, pardon, le... Il a bientôt plus de villageois. Allez, on s'acharne là-dessus. Allez, c'est bon. Toi, décède. Et il en reste d'autres, hein. Là-bas. Il y a des bâtiments militaires. Duel de bélier. Parfait. Et normalement, il doit y avoir une archerie là-bas. Ok, c'est bien ça. C'est parti. Et là, de toute façon, il y a un bâtiment... C'est pas un bâtiment. Hop, voilà. Voilà, on a ça. Allez, excitez-vous maintenant, les gars. Attends, on va te crever. Par contre, je suis curieux de voir pourquoi il survit. Ouais, il y a des villageois, mais... Voilà, le rouge est tombé, et maintenant, dans 5 minutes, le Sian va y passer. Parce que le Sian, comme on l'a décrit dans le descriptif, justement, tac, eh bien, c'est le plus faible de toutes les... C'est le plus faible de toutes les factions chinoises. Là, il y aura peut-être... Si, il y aura quand même une forteresse, je crois, pour le défendre. Il y aura quand même des troupes, hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'il peut contre les Mangoudaï? Là, on va la tirer, juste en faisant ça. N'est-ce pas? On t'attire? Je sais que t'as une armée. Voilà. Bon. Deux. Voilà, on va se poser là, parce qu'il y a des tours, quand même. Ça peut être préjudiciable. Ah, il y a du monde qui rentre. Donc surtout de l'infanterie. De l'or. Et des moines, apparemment. Des moines aussi.
Allez, on s'infiltre en ravage. Hop. Ah si si, il construit bien là. Ouais, il a réussi en plus. Le bougre. Allez, je laisse ça là. Je pense pas que j'aurais besoin de plus. Oh tiens, ah ouais, d'accord. Eh ben... Je me fais surprendre. En fait, il a pas de... De forteresse. Et pas d'unité d'élite du coup, qui va avec. Par contre, moi. Et ouais, ça coûte pas grand chose. Et voilà. Ok, donc là je vais le chercher. Il est juste là. Il y en a 4 à trouver. Voilà. Là il suicide. C'est bon, c'est remporté. Donc voilà, terminé. Retourner à la carte juste pour vous montrer, mais bon. Le bleu, étrangement, je sais pas si je l'ai vaincu avant. Je sais pas s'il était supprimé avant, parce qu'il avait plus rien. Et ouais, c'est un peu compliqué au niveau de la géographie de ce terrain. Parce que là, c'est une grosse colline, et puis du coup, pour en faire le tour, c'est complexe, quoi. Ah, on peut passer par là. Ah oui, tiens, c'est étrange. Normalement, on aura pu passer par là, élonger et remonter, ouais. Ok. Ce fut un glorieux massacre. Des années durant, les voyageurs pourront admirer la montagne de squelettes humains que nous avons érigée en Chine. Notre campagne chinoise nous a conféré un avantage colossal, la technologie. Nous disposons désormais du savoir-faire et du matériel nécessaire pour créer des engins de siège. Nous briserons les châteaux perses et européens, tels des noix pour fouailler leurs entrailles. Genghis est satisfait de notre progression et du patrimoine qu'il laisse derrière lui. Dans le temps, sa mère a dû se nourrir de rats et d'oignons sauvages pour survivre. Mais sa descendance, elle, dégustera des mets raffinés dans des plats d'or perse. Et voilà une bonne chose de faite. Donc, prochaine mission, la Horde vers l'Ouest, il s'agira d'affronter les Perses. Et cette fois-ci, je pense qu'on pourra la faire en difficile étant donné qu'il n'y a pas de... de succès à réaliser. J'espère en tout cas que ces deux épisodes pour le chapitre 3 vous a plu et on se retrouve bientôt pour la quatrième mission. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!